C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission À vous la parole. Ce numéro spécial a été réalisé à Boundiali dans la région de la Bagoué au nord de la Côte d'Ivoire lors de la 6e édition du Guéguélé Festival. Avec Sabari Christian Dao, directeur de la communication et du marketing du Musée national du Burkina Faso, nous parlerons de l'importance des musées en Afrique. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour participer à la 6e édition du Guéguélé Festival International de Balafon. Que pensez-vous de la tenue d'un tel festival? Je vous remercie et je pense que le Guéguélé Festival, on n'a pas besoin de le dire, hein, c'est un cadre de promotion d'un instrument d'abord au début, mais des expressions qui sont liées à cet instrument. Et je pense que dès lors que cet instrument a été reconnu comme patrimoine de l'humanité, des différentes communautés sénoufos du Mali, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, et vivre un tel événement comme le Guéguélé Festival, ce n'est qu'une fierté pour nous autres qui avons mis la promotion de cet instrument dans notre plan de travail, dans nos différentes activités. Je pense que c'est un festival à féliciter parce que, comme vous l'avez dit, il est à sa 6e édition, ce qui n'est pas rien parce que beaucoup de festivals sur le balafon sont nés, mais peu ont pu poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Donc, ce ne sont que des sentiments de satisfaction au vu de ce que nous avons vu et de félicitations pour tout le travail qui est abattu. Vous êtes écrivain, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la contribution de la culture dans la sauvegarde du patrimoine immatériel des communautés africaines. Pourquoi cette option? Oui, c'est comme je le disais lors de la conférence, et je pense que hormis l'instrument physique qui est là, nous avons tout autour des expressions culturelles qui sont liées et ces expressions portent l'âme de nos communautés. Donc c'est pourquoi nous nous sommes inscrits d'abord à l'école de ce que nous appelons les baobabs, c'est-à-dire les sachants, les personnes qui sont détentrices de savoir. Et nous sommes d'abord approchés d'elles pour comprendre ces expressions et nous avons pris, comme on le dit, notre bâton de pèlerin et pour faire la promotion de ces expressions, parce qu'il y a ce travail de promotion qu'il faut faire, en plus de ce travail de transmission qui a commencé par nos ancêtres, nos grands-parents, et aujourd'hui, les trésors humains vivants dont on parlait tout à l'heure. Faites souvent référence à des auteurs comme Mgr Anselme Sanon, professeur Joseph Kizerbo. Que représente-t-il pour vous? Oui, je peux dire de prime abord que je suis à l'ombre de ces personnalités parce que c'est comme ça, je me définis. Je suis un diplômé de la grande université de la parole enseigné à l'ombre des baobabs. Et ces baobabs, comme le dit Amandou Ampateba, ce sont ces personnalités. Mgr Anselme Tintiama Sanon, c'est une figure qui m'accompagne depuis le bas âge. Parce que voici un homme, en plus de sa spiritualité que vous connaissez bien, chrétienne, il porte en lui la spiritualité africaine, jusqu'à aller dire, si Dieu veut me parler, qu'il me parle dans ma langue. Vous voyez un peu résumer ce que c'est Mgr Anselme Tintiama Sanon. C'est le même cas que le professeur Joseph Kizerbo, qui aujourd'hui, on a tellement de documentation sur lui que, voilà, vous... On ne peut pas s'en défaire. Voilà. Voici des personnes qui doivent inspirer notre génération à pouvoir et travailler pour une Afrique libre et digne, comme le disait une autre personne, Thomas Sankara. Vous abordez dans vos parutions la question des pratiques et expressions liées au balafon pentatonique. Quelle est la particularité de ce balafon? Oui, le balafon pentatonique, c'est nous faut. Et c'est d'abord un balafon qu'on retrouve dans trois communautés, comme je le disais. Et bon, dans trois pays, vous avez la communauté sénoufo qui a été repartie à travers la colonisation, etc., dans trois pays aujourd'hui, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et la particularité du Guéguélé, comme on l'appelle en sénoufo,
c'est qu'il synthétise les autres balafons, les autres communautés, Bobo, Dafi, Sambla, etc. Et comme cet instrument fait la synthèse des autres instruments, pourquoi ne pas mettre l'accent, puisque plusieurs communautés se retrouvent en lui, sur cet instrument pour faire un travail de sauvegarde, voilà. Et je pense que c'est cela qu'il faut. Cela aussi interpelle les autres communautés à travailler pour l'inscription des expressions liées à leurs instruments sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je pense que c'est l'une des vocations de la Convention de 2003, donner la parole aux communautés et leur permettre de mettre en lumière leur savoir-faire et savoir-être. Vous êtes le directeur de la communication et du marketing du Musée national du Burkina Faso. Présentez-nous votre institution. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler du Musée national du Burkina Faso. C'est l'une des premières institutions culturelles du Burkina parce qu'il a été créé en 1962. Voilà. Et depuis ce moment, c'est une institution qui essaie de collecter, de conserver, de préserver et de communiquer sur les objets, les artefacts, etc., etc., des soixantaines, de la soixantaine de groupes ethnoculturels que vous retrouvez au Burkina Faso. Donc la mission principale de notre institution, c'est de promouvoir tout ce qui est patrimoine culturel, matériel et immatériel au sein de nos communautés. Et je pense que c'est une plateforme culturelle aujourd'hui. Nous permettons aux artistes de venir s'exprimer à travers des créations. Il y a des concerts, il y a des conférences que nous essayons d'organiser. Cette année, d'ailleurs, nous comptons célébrer les 60 ans du Musée national du Burkina Faso. Quelle perception les Africains en général ont-ils des musées? Est-ce un lieu qu'ils fréquentent régulièrement? Merci pour cette question. Et parce que nous, en tant que professionnels de musée, nous nous posions la question depuis 1990, quel musée pour l'Afrique? Voilà. Et je pense que le musée dont nous avons besoin, ce n'est pas le musée que nous a envoyé le colon. Voilà. C'est pourquoi actuellement, vous verrez dans les différents travaux que les professionnels sont en train de réfléchir à donner d'autres contenus au musée pour que les communautés africaines se sentent partie intégrante des musées. Parce que le musée, ce n'est pas forcément lié à un public élitiste, mais c'est pour les communautés d'abord. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et je suis content qu'un journaliste nous pose cette question parce que ça veut dire que le travail est à prendre au sérieux pour que les communautés vraiment puissent s'identifier à nos différents musées. La France a décidé de restituer les biens culturels appartenant à des pays africains tels que le Bénin, par exemple. Est-ce que le Burkina Faso est concerné par ce processus de restitution? Eh oui, cette histoire de restitution, ça revient toujours. Mais pour répondre directement à votre question, je pense que tous les pays qui sont passés par la colonisation sont concernés par ce processus de restitution qui a été entamé depuis 2017 lors de la fameuse du fameux discours, je veux dire, du président français à l'université de Ouagadougou. Et je pense que ce fut une bonne initiative, mais au-delà de cela, il va falloir passer cette étape pour concrétiser la restitution de nos œuvres. Le Bénin a reçu 26 œuvres, bien que capitales. Je pense que le mécanisme qui est mis en place en France ne permettra pas la restitution de beaucoup d'œuvres encore en Afrique. Donc, c'est pour interpeller les uns les autres. Peut-être que c'est une perche qui a été tendue, mais il ne faut pas que nous nous leurrions, parce que ce sont ces objets qui font ces musées en Europe. Ils ne vont pas nous les envoyer facilement comme ça. Donc, il faut que nous travaillions à pouvoir
nous réapproprier voilà, nos différents œuvres. Le Burkina est intéressé, le Burkina, ce qui est ressorti dans le rapport, c'est Sahara et ces mille et quels objets du Burkina Faso. Et je pense que la Côte d'Ivoire aussi en fait partie, le Bénin, etc. C'est vraiment un travail à continuer. En tant que président de la section du Burkina Faso DICOM, une organisation mondiale de musées, quelle est votre démarche pour une accélération de la restitution des biens culturels africains? Oui, DICOM Burkina, d'abord, c'est la communauté internationale muséale. Et c'est le Conseil international des musées qui essaie de regrouper tous les professionnels de musées. Et au niveau du Burkina, effectivement, notre comité a pris l'engagement d'accompagner l'État pour un aboutissement concret voilà, de ce processus. Et je pense que nous avons organisé des ateliers, nous essayons voilà, de travailler, en tout cas pour pouvoir faciliter le retour de ces objets. Un travail à l'interne est en train d'être fait. Et je pense que c'est le rôle de l'ICOM. En plus de l'ICOM, il y a aussi l'Association des professionnels de musées au Burkina Faso qui travaille en ce sens. Votre mot de fin. Oui, je veux juste dire merci encore aux organisateurs du Djegele Festival, qui est l'une des rares initiatives en matière de sauvegarde du balafon pentatonique Sénoufo qui perdure toujours parce que plusieurs initiatives n'arrivent pas à se perpétuer et je pense que c'est le lieu ici de féliciter encore les organisateurs de ce festival qui ne fait que prendre de l'ampleur et toutes nos félicitations notamment à monsieur Dodo Kone pour cette belle initiative, pour la force et pour la confiance qu'il fait à la jeunesse dans le cadre de ce grand projet qui doit tous nous passionner parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est ici que prend fin cette émission avec Sabari Christian Dao, directeur de la communication et marketing du Musée national du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole. Au revoir.